Shalom, shalom. Bienvenue à MVM TV. La grâce du Seigneur abonde sur vous. Que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs dans le nom de Jésus. C'est un privilège et une grâce qui me fait le Seigneur de me retrouver chez vous où que vous soyez, peut-être dans votre salon, afin de, ensemble, nous laisser instruire par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Partagez. Invitez vos amis. Dans ce temps de confinement, dans ce temps où le nombre de personnes à assister au culte est absolument limité, et nous avons besoin ou que nous soyons de nous laisser instruire par le Saint-Esprit. On a tant besoin du Seigneur dans ces temps aussi difficiles. Je vous encourage donc à inviter vos amis. Je bénis le Seigneur pour ma fille Reine Esther Laco, qui nous édifie avec ses beaux chants. Que Dieu bénisse Reine Esther. Alléluia. Connectez vos amis et invitez vos amis, vous pouvez les appeler au téléphone pour leur dire que de se connecter. Gloire à Dieu. Partagez. Le Seigneur a permis que nous soyons ensemble le vendredi passé, le vendredi 19 juin 2020, évidemment. Et je pense que nous avons passé un beau temps au pied du Seigneur. Amen. Mon essentiel, c'est Jésus. Merci beaucoup, Reine Esther. Alléluia. Qui sommes-nous sans Jésus? Il est la raison de notre vie sur la terre. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez assez partagé. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.
Je viens humblement au nom du Seigneur Jésus, avant toute chose, dire merci au Seigneur qui nous donne ce temps. Que toute la gloire lui revienne et qu'il soit absolument au contrôle de ce temps que nous allons passer ensemble. Nous recommandons ces instants à la grâce de Dieu et prions que le Saint-Esprit nous inspire, nous donne la force afin d'atteindre les objectifs de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous restaure, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne de pouvoir vaincre dans toutes les épreuves et les oppositions et persécutions qui sont devant vous. Avec Jésus, nous avons toujours la victoire. Que Dieu vous fortifie. Amen. Je vous remercie. Je vous remercie pour toutes vos réactions après le direct qui a été fait le vendredi. Évidemment, il y a eu beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Et je rends grâce à Dieu pour tout ceci. Je vous remercie d'avoir été absolument nombreux à partager. Je vais parler de vendredi dernier, vendredi 19. Et nombreux, n'est-ce pas, à suivre ce moment. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait le vendredi dernier avec nous. Amen. Je vous remercie aussi pour vos encouragements. J'ai vu vos réactions. Il y avait beaucoup d'encouragements. Je vous remercie infiniment. Et beaucoup, pour autant, m'ont écrit dans les réactions pour dire que, révérend, vous nous avez laissé sur notre soif. Au moment où on prenait goût à la conférence du coup net, vous avez arrêté de la conférence a pris fin. Évidemment, c'était une conférence que j'ai voulu faire sur 30 minutes, mais je tiens compte à partir de maintenant de ce que vous avez dit. Et je pense que par la grâce du Seigneur, nous allons aujourd'hui aller au-delà des 30 minutes, autant que le Saint-Esprit nous conduira. Nous sommes dans un véritable temps où nous avons besoin du Seigneur. Le fait de n'avoir pas été à l'église, par exemple, pendant 2 mois, 3 mois pour certaines personnes par rapport au pays dans lequel vous vous trouvez, ça fait qu'il y a quand même une grande soif d'aller à l'église, une grande envie d'aller à l'église, une soif d'entendre la parole du Seigneur. Chacun veut se rapprocher du Seigneur davantage au vu de tous les événements que, si vous voulez, nous vivons. Beaucoup ont envie réellement d'être au pied du Seigneur. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous fortifie. Je sais que ce n'est pas facile. Que le Seigneur vous fortifie. Et vous savez que j'ai été régulièrement avec vous en écrivant beaucoup. Et le Seigneur a utilisé mes écrits. Et dans sa grâce, il a édifié, il a exhorté, il a fortifié, il a encouragé pas mal de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, il me permet, n'est-ce pas, de pouvoir faire des directs afin, si vous voulez, que nous continuions toujours la marche ensemble, dans sa grâce. Car c'est uniquement par le Seigneur que nous pouvons faire toutes choses. C'est dans sa grâce. Amen. Lève-toi et avance. Je l'ai dit que il était intéressant. Je l'ai dit le vendredi dernier qu'il était important de pouvoir
Aller de l'avant. Aller de l'avant. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne de se lever pour avancer. Parce que si vous ne vous levez pas, vous n'avancerez pas. Il faut pouvoir avancer pour aller à la rencontre de sa bénédiction, à la rencontre de son bonheur, à la rencontre, évidemment, de ce qui peut changer votre situation. Bien-aimé, la situation actuelle, qui est le phénomène du coronavirus que nous vivons tous, quel que soit le pays où nous nous trouvons. Quand je regarde bien, ça a tendance à stopper notre avancée, à stopper notre croissance spirituelle, notre croissance dans le ministère, notre croissance professionnelle, notre croissance même dans la vie du mariage. Nous avons besoin de croître, c'est-à-dire nous avons besoin d'avancer, en toutes choses. Personne, honnêtement, ne peut se réjouir lorsqu'il a son enfant en qui il s'est investi sur tous les plans. Jusque même sur le plan matériel et financier, je voulais dire, aussi. Et puis l'enfant n'avance pas à l'école. Il n'avance pas. Il n'y a aucune croissance éducative, intellectuelle en lui. Personne, aucun père ne peut s'en réjouir. Évidemment, aujourd'hui, nous parlons de la fête des pères. 2020. Mais n'oublions pas que l'année 2020 a commencé dès déjà le troisième mois. Ça a commencé vraiment avec beaucoup d'interrogations. Nous avons donc besoin, si vous voulez, de nous lever. Et oui, de nous lever. Parce que les événements que nous vivons, que nous traversons, ont tendance, tel que l'événement du coronavirus, ça a tendance à ralentir notre marche, à nous rendre timides spirituellement. Et vous comprenez que si vous êtes timide spirituellement, vous ne pouvez pas du tout, et du tout, et du tout, et du tout, et du tout, atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Vous serez pris par la lourdeur, vous serez pris par le découragement. Et tout ce que nous voyons avec la peur que dégage le coronavirus autour de nous et partout, ça fait que personne n'a envie de bouger. Personne n'a envie, en tant que tel, réellement, d'aller au travail. Quand bien même il sait que c'est important qu'il faut qu'il travaille pour avoir les moyens de vivre. Mais derrière ce coronavirus, il y a un esprit de mort qui travaille. Voyez-vous, qui travaille contre les êtres humains. Nous devons rester dans le calme parce que nous avons notre Père qui est dans les cieux, à qui nous avons confié notre vie lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus. Il a les regards sur nous dans cette situation. Il nous gardera et nous protégera, dans sa grâce. Mais lorsque nous examinons très bien, c'est-à-dire que lorsque nous réfléchissons très bien à la situation que présente le coronavirus, ça a tendance à nous rendre malades, quand bien même nous n'avons pas le coronavirus. Malades d'abord, moralement, psychologiquement, beaucoup sont malades. Et ça affecte leur spiritualité. Et après, ça devient une maladie physique. Voyez-vous? Donc, nous devons, à partir de ce moment-là, nous lever, nous tenir debout pour avancer. On ne doit pas se laisser
abave. Parce que cette situation a tendance à rendre tout le monde pauvre. Personne n'a envie de se remettre en activité, d'investir, de commencer un commerce à partir du moment où il n'y a personne pour acheter, puisque les gens n'ont plus assez d'argent. Donc, la situation que nous vivons actuellement a tendance à stopper notre avancée, à stopper notre marche. Nous étions bien partis, bien partis. Mais du coup, quand cette tragédie est apparue, je vais parler de Covid-19, du coup, tout le monde a eu peur et chacun a arrêté, n'est-ce pas, la marche. On a connu le confinement pendant plusieurs mois. C'est une réalité. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne qui me regarde, à une personne qui m'écoute, de se lever et d'avancer. Parce que si vous ne vous levez pas, vous n'avancerez pas. Ne regardez pas les événements qui se passent comme tout le monde les voit. Ne les voyez pas comme tout le monde les voit. Les gens qui n'ont pas la foi en Dieu, qui n'ont pas la foi en Christ, sont épouvantés. Ils sont abattus, ils n'ont plus de force. Ils ne savent plus à quel saint s'est voué. Mais vous, heureusement, que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te dire de façon spéciale d'avoir un moral, fort, d'avoir un mental fort. Relève-toi moralement. Relève-toi spirituellement. Continue de prier. Continue de chercher Dieu au travers de sa parole. En étudiant les Saintes Écritures. Continue dans la piété. Continue à te sanctifier. Ne dis plus que le fait que je ne vais plus à l'église, je n'ai plus à l'église, alors je suis libre de faire tout ce que je veux. Vivre dans le péché comme je veux. Non. Ton corps est le temple de Dieu. L'église où tu vas n'est tout simplement qu'une chapelle. Mais ton corps même déjà est le temple de Dieu. Tu as besoin donc de continuer dans la vie de sanctification. Nous disons amen. À te mettre à part toujours pour Dieu. Ne te laisse pas abattre parce que si tu te laisses décourager, si tu te laisses prendre par le découragement, bien aimé, tu vas sombrer spirituellement. C'est-à-dire que tu vas t'enfoncer spirituellement. Tu vas te noyer spirituellement. Et si spirituellement tu te noies, tu n'auras plus de force pour résister moralement. Tu n'auras plus de force pour résister sur le plan physique. Et ça va engendrer beaucoup d'autres situations, telles que des maladies bizarres. Refuse le découragement dans ta vie. Dans les Saintes Écritures, précisément dans le livre de Luc chapitre 5, le Seigneur Jésus a trouvé trois personnes à une rive. Trois personnes. Ces personnes, c'était des pêcheurs de poissons. Des gens bien spécialisés dans la pêche. Pierre, Jacques et son frère Jean. Lorsque le Seigneur les a trouvés, il a vu qu'ils étaient complètement abattus. C'était des gens découragés. Évidemment, peut-être qu'ils avaient vécu une situation qui dépassait leurs forces. Alors, il leur a demandé, que se passe-t-il? Parce que je vois que vous avez le visage
découragé. Que se passe-t-il? Votre découragement se voit dans votre visage, dans toute votre manière d'être. Ils ont dit au Seigneur que nous avons pêché toute la nuit. Et nous n'avons eu aucun poisson, aucun poisson. Le Seigneur leur répond en leur disant, reprenez votre bateau, reprenez votre barque, reprenez votre pirogue, reprenez votre pirogue et votre filet et vos filets et retournez donc à la mer pour continuer votre travail. Mais cette fois-ci, avancez en eau profonde. Nous disons Amen. Avancez en eau profonde. C'est-à-dire que dépassez les limites que vous étiez données, fixées avant. Auparavant, vous avez un certain endroit où vous allez pêcher toujours. Vous avez un lieu où vous allez à la pêche toujours. Dans la mer, vous ne dépassez pas les limites de cet endroit. Parce que c'est ce que vous êtes fixé sur le plan moral, sur le plan psychologique. Mais je vous dis que cette fois-ci, dépassez ces limites-là et avancez. Ils devaient avancer. Ils devaient se lever, prendre leur barque, prendre leur filet, les mêmes filets avec lesquels ils ont échoué, la même barque avec laquelle ils ont échoué, et retourner au même endroit, mais cette fois-ci, il devait retourner dans le même travail, dans le même lieu de travail, mais cette fois-ci, il fallait qu'ils optent pour des choses nouvelles. Il fallait qu'ils étendent les limites. Il fallait qu'ils étendent, voyez-vous, les cordages de leur tente. Nous disons Amen. Nous disons Amen. La parole du Seigneur est venue comme une prophétie. Pour leur donner des forces nouvelles. Nous disons Amen. Et Pierre a réagi. Pour dire, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Et j'imagine qu'il a dit au Seigneur, que Seigneur, nous sommes des fils des pêcheurs. Nos parents étaient des pêcheurs. C'est le métier que nous avons érigé. C'est le métier qu'ils nous ont légué. Nous connaissons la pêche et nous connaissons cette eau, nous connaissons cette mer. Nous y avions l'habitude. Et tu nous dis de repartir. Pendant que toute la nuit, on a passé le temps à lancer que des filets, à lancer que des filets, sans en avoir un seul poisson. J'imagine Jésus leur dire, oui, vous aviez l'habitude, mais cette fois-ci, il faut changer d'habitude. Et qu'elle dit Amen. Cette fois-ci, il faut changer d'habitude. Je dis à une personne qui m'écoute que tu dois changer d'habitude. Ton habitude doit changer. Le lieu habituel où tu vas et tu échoues, tu dois dépasser cet endroit. Jésus leur dit que j'ai compris, je vois, je comprends votre problème. Mais retourner par les mêmes endroits et dépasser cet endroit, avancer dans l'eau profonde, dans l'eau profonde, dans l'eau profonde et lancer votre filet. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire des sacrifices. C'est pour cela que ces personnes échouent. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire des choses qui ont de la profondeur en oubliant que c'est la profondeur qui inspire la profondeur, attire la profondeur. Si vous voulez faire des choses profondes, vous recevrez aussi des choses profondes. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup prennent des raccourcis en passant par le maraboutage, par le fétichisme, par l'idolâtrie, par la méchanceté, par la magie, parce que tout simplement, ils ne veulent pas mettre en activité le potentiel qui est en eux, le champion qui est en eux,
Les qualités que Dieu a mis en eux. Que Dieu a mis en eux. Et ils se laissent tout simplement, à chaque fois qu'ils essaient quelque chose, ils se laissent avoir par le découragement. Quand il y a une épreuve, quand il y a une opposition, tel était le cas de ces trois pécheurs, à savoir Pierre, Jacques et Jean. Écoutez ceci. Pierre dit au Seigneur, c'est vrai que nous sommes des spécialistes de la pêche, nous sommes des enfants des pêcheurs, mais comme tu viens de le dire, qu'il nous faut aller, il nous faut retourner en ce même endroit, qu'il faut que nous levons pour partir et d'avancer à l'eau profonde, sur ta parole, si c'est sur nous-mêmes notre force, si c'est sur nous-mêmes nos capacités, si c'est sur nous-mêmes qu'on devrait compter, franchement dit, personne n'était prêt à retourner sur cette mer. Parce qu'on a été trop envahi, pris par le découragement. Mais sur ta parole, sur ta parole, que disent sur ta parole, que disent sur ta parole, trois fois, sur ta parole, Seigneur Jésus, nous allons nous lever. Nous allons prendre nos filets et nous allons prendre nos barques et retourner en ce même endroit. Mais en avançant en eau profonde, quand ils ont parlé, quand ils ont fini de parler, ils ont obéi en même temps. Ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. On ne doit pas faire que parler. On ne doit pas faire que la confesser. On ne doit pas faire que l'écouter. On ne doit pas faire que l'écouter. Mais nous devons agir par rapport à cette parole. Sinon, laissez cette parole agir en nous. La parole doit activer notre foi. La parole de Dieu que nous écoutons, elle doit activer notre foi. Elle doit activer le courage en nous. Elle doit activer, si vous voulez, des bonnes choses en nous. L'envie en nous, l'envie de réussir, l'envie de continuer, l'envie d'aller de l'avant. Ça doit animer quiconque, s'il vous plaît. Quand ils sont arrivés, bien-aimés, ils ont dépassé l'endroit où ils étaient toute la nuit et puis ils avaient lancer leur filet. Ils sont donc allés en eau profonde. Ils ont pris le risque, parce qu'il s'agit quand même d'eau profonde. Bien-aimés, avec Dieu, avec Jésus, lorsque vous prenez un risque, il faut toujours savoir que le danger, ce qui devait être un danger, est en bas de vous. Parce que là, cette fois-ci, ils ne sont pas allés d'eux-mêmes. Ils ont été envoyés par le Seigneur. Quand Dieu vous envoie, il est avec vous. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il est avec vous. Il vous accompagne. Quand il vous envoie en mission, en Europe, aux États-Unis par exemple, mais il est avec vous. Il va avec vous. Il prépare le terrain. Quand il vous demande de faire un commerce, quand il vous demande de faire une activité, de créer une entreprise, de créer des emplois, mais écoutez, il vous donne des idées, il vous donne des idées, il ouvre des portes, il crée des opportunités. Mais il faut bien que vous preniez le risque de commencer. C'est le commencement qui est difficile, le commencement qui fait peur à beaucoup d'hommes et de femmes. Raison pour laquelle ces personnes n'osent pas. Il faut oser prendre le risque. Ils ont pris le risque. Pierre, Jacques et Jean, ils ont pris le risque, ils sont allés en eau profonde, là où on peut aussi mourir facilement. Et s'ils mouraient là, les gens allaient dire, mais qui leur a dit d'aller en eau profonde? Ils ont été insensés. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés jusqu'en eau profonde? C'est eux-mêmes qui ont créé la situation. Mais avec Dieu, quand il nous envoie, l'eau profonde devient, si vous voulez, comme une plateforme de bénédiction. Une plateforme de vie, c'est pas des morts. C'est pas une plateforme de maladies et d'échecs. Non, une plateforme de vie, une plateforme de succès, de réussite, de bénédiction à tout point de vue. Quand Dieu nous envoie, il est avec nous. Pierre dit, sur ta parole. C'est-à-dire que nous,
Nous sommes un échec. Nous avons le témoignage que nous avons échoué toute la nuit. Mais si nous repartons, c'est sur ta parole. Ça veut dire que Seigneur, c'est toi qui nous engages dans cette affaire. Sois avec nous. Ne nous abandonne pas. Et Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle à sa parole. À partir de ce moment-là, Pierre, Jacques et Jean avaient la foi qu'ils n'étaient pas seuls, mais que celui qui les envoyait, évidemment, était avec eux, quand bien même ils ne le voyaient pas physiquement. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Ne vous laissez pas stopper par la peur. Ne vous laissez pas stopper par la peur. Parce que si vous vous laissez stopper par la peur, vous serez toujours couché au même endroit. Vous deviendrez paresseux. Vous deviendrez paresseux, lourd, inactif, et les bénédictions vont passer au devant de vous. Le succès va passer au devant de vous. La réussite va passer au devant de vous. Vous devez vous lever. Dans ces temps aussi difficiles, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas du tout abattre. Ne vous laissez pas décourager. N'acceptez pas le découragement. La preuve, c'est que lorsque Pierre, Jacques et Jean ont lancé le filet, ils n'ont pas lancé deux fois. À un seul jet de filet, Ramaché Keroba Sataba, Riyambashoko Ramala Shintaka, à un seul jet de filet, quand ils ont lancé le filet, une fois, je veux dire, une seule fois, pas plusieurs fois, les sept écritures nous disent qu'ils avaient du mal à tirer le filet, au point où ils ont demandé de l'aide, tellement que le filet était rempli de poissons, tellement que le filet était rempli de poissons. Le poisson, c'est la richesse. Le poisson, c'est un symbole de richesse, bien-aimé. Le poisson, c'est un symbole de succès, de réussite, de percée. Mais il fallait bien, si vous voulez, qu'ils obéissent à la parole du Seigneur. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Quand Dieu te parle au travers de ses serviteurs, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu la mets en pratique? Qu'est-ce qu'elle crée en toi, la parole de Dieu? Est-ce qu'elle crée en toi l'envie de t'élever? L'envie de réussir? L'envie d'aller chercher du travail pour t'occuper de ta famille et pour être utile aussi dans l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, il est temps que tu te lèves. Alléluia. Lorsque les gens les ont secourus et qu'ils ont mis le filet rempli de poissons dans la barque, mais la barque tendait à s'enfoncer au point où ils sont obligés de prendre l'autre barque, c'est-à-dire peut-être celle qui appartenait à Jacques et Jean. Donc, les deux barques remplies de poissons, mais les Écritures saintes nous disent que les deux barques tendaient à s'enfoncer, à se noyer dans l'eau, tellement que c'était rempli de poissons. Ils n'avaient jamais vu cela. C'est pour cela que la Bible parle. Intitule cela comme une pêche miraculeuse. Une pêche miraculeuse. Lorsque vous êtes au pied de Dieu, lorsque vous recevez sa parole, et que vous avez la foi, et que vous agissez par rapport à la foi. C'est-à-dire la foi, c'est ne pas douter de Dieu. C'est croire à Dieu à 100%. C'est ne pas douter de Dieu. Alléluia. Alors, des miracles comme ceci se produisent dans votre vie. Des miracles abondants. C'est-à-dire que des miracles qui apportent l'abondance, qui changent du coup, à un seul instant, votre vie, votre situation, tout autour de vous. Dieu merci, les Écritures saintes nous disent qu'ils sont arrivés donc au bord. Ils ne se sont pas noyés. Parce que ce n'était pas pour se noyer que le Seigneur les a envoyés. Quand bien même les poissons étaient beaucoup, mais Dieu était au contrôle. Quand Dieu vous envoie du haut des cieux, il vous regarde, il vous suit. Seconde par seconde, minute par minute. Il donne des instructions, des ordres à ses anges d'être avec vous. Vous n'êtes pas seul. Quand Dieu vous envoie, quand vous avez reçu la prophétie et que vous agissez par rapport à la prophétie, évidemment, bien-aimé, Dieu ne vous laisse pas seul.
Il ne vous laisse pas seul. Il établit une connexion avec vous. Mais c'est quand vous obéissez. Si vous n'obéissez pas, Dieu peut avoir parlé. Si vous n'allez pas, alors vous demeurerez la même personne. Vous demeurerez dans votre misère. Vous demeurerez dans votre paresse. Vous demeurerez dans les choses dépassées, dans les anciennes choses, dans les anciennes habitudes qui n'apportent pas du renouveau, du nouveau, des nouvelles choses dans votre vie. Alors que dans la réalité, le Dieu que nous prions, il est le Dieu des nouvelles choses. Il en a tellement, tellement, tellement qu'il veut changer nos conditions de vie. Parce que nous lui avons donné notre vie. Nous lui avons donné notre vie. Nous lui appartenons. Il veut s'occuper de nous. C'est un père. C'est un père. Il a le cœur de père. Mais notre problème, c'est l'obéissance et c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique de sa parole. Suivons l'exemple de Pierre et de Jean. On dit Amen. On dit Amen. Suivons l'exemple de Pierre et de Jean. Et soyons des enfants obéissants. Que nous soyons fidèles, chefs d'église ou pasteurs. Qui que nous soyons, un cadre, une grande personnalité, mais qui aime le Seigneur, qui a donné sa vie à Jésus, soyons obéissants. Soyons obéissants. C'est l'obéissance qui engendre la bénédiction. C'est l'obéissance. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter. Ce n'est pas seulement le fait d'entendre. Ce n'est pas le fait d'acclamer. Ce n'est pas seulement le fait de passer tout son temps, tous les dimanches, à danser, dans les églises, à acclamer. Et puis quand on prêche, la parole de Dieu glisse sur votre corps, ça glisse sur votre peau. La preuve, c'est que, après que le culte soit fini, quand le pasteur vous demande quel était le titre du message, le titre, le thème du message, beaucoup ont des difficultés à dire le titre, à s'en souvenir. Il y a un problème de mémorisation de la parole de Dieu. Quand il ira plus loin pour dire, qu'est-ce que chacun a retenu par rapport à ce qui a été dit dans ce message? Là, alors, il n'y aura personne pour reproduire ce qu'il a reçu, parce que tout simplement, la parole n'est pas entrée dans le cœur. Mais ça glissait tout simplement sur notre corps. Mais c'est quand la parole rentre dans le cœur que ça nous conduit à l'obéissance. À l'obéissance. Si elle glisse sur notre corps, bien aimé, nous ne pouvons pas être des chrétiens, des serviteurs de Dieu, obéissants. Ça va nous conduire à chercher des raccourcis. N'en soyez pas étonnés si beaucoup de fidèles chrétiens ou d'autres soient en même temps chrétiens dans l'église et puis en même temps ils ont des fétiches, ils ont des choses qu'ils ont obtenues de chez les barabous, de chez les marabouts. Ils ont de la magie. À partir de ces moments-là, vous freinez votre évolution, vous freinez vos bénédictions que le Seigneur vous a destinées. Car chacun a des bénédictions que le Seigneur lui a destinées. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Et lorsque donc ils sont revenus, ils ont commencé à compter les poissons. Il y avait 500 poissons, 500 gros poissons, des poissons de qualité. C'est-à-dire que des poissons qu'eux-mêmes n'ont jamais vus pendant qu'ils font la pêche. Mais c'est en eau profonde, c'est dans l'eau profonde. Vous voulez des nouvelles choses, des choses que vous n'avez pas encore vues. Vous voulez des gros miracles, des prodiges. Vous voulez des signes dans votre vie. Vous voulez le changement, un changement profond, radical dans votre vie, dans votre maison, dans votre foyer. Un changement, une onction de gloire qui va affecter et votre travail, votre vie spirituelle, votre ministère, si vous en avez, qui va affecter votre mariage, votre foyer, qui va vous affecter professionnellement dans vos projets. Bien-aimé, il faut non seulement croire à la parole de Dieu, la recevoir et croire en elle, mais il faut obéir à cette parole-là. À cette parole-là. Et accepter de prendre le risque d'aller. Quand bien même c'est en eau profonde, c'est-à-dire quand bien même c'est un endroit que vous ne connaissez pas.
Tout le monde dit, oh, c'est difficile cet endroit. C'est difficile d'aller là. C'est difficile de faire ce travail. C'est un travail que vous ne connaissez pas. C'est un commerce que vous ne connaissez pas. C'est une affaire, une activité, une entreprise. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se faire, comment ça va se faire. Mais si vous l'avez reçu du Seigneur, quand le Seigneur vous envoie, de façon aussi précise, bien aimé, ce qui vous revient, c'est tout simplement d'obéir. Les temps sont difficiles, mais voici la parole du Seigneur. Lève-toi et avance. Le Seigneur s'adresse à toi qui est complètement découragé, abattu, apeuré, qui est dans l'épouvante. Le Seigneur s'adresse à toi qui est chargé, qui est fatigué, qui ne sait plus que faire, qui voit l'échec, qui voit la mort partout. Le Seigneur s'adresse à toi pour te dire, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il te garde, il te protège. C'est lui qui t'a appelé à lui. Il veut continuer encore la marche avec toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il veut continuer la marche avec toi. Tout simplement, au vu de tout ce qui se passe, prends le risque de te lever, de commencer une nouvelle activité, une nouvelle chose. Il faut ranimer ta foi dans la prière, dans le jeûne. Ne dis pas que oui, parce que je ne vais plus à l'église, c'est fini. Je ne prie plus. Je ne visite plus les frères, ni le pasteur. Et voir. Non. Il faut refuser toutes ces choses. Refuse d'être à la même place. Refuse d'être à la même place. Avance dans la prière. Ça veut dire que si tu priais 15 minutes, maintenant fais 30. Et au fur et à mesure, fais une heure de temps de la prière. Voire deux heures de temps de la prière. Avance dans l'étude biblique. Avance dans la méditation de la Bible. La prière et la méditation d'étude biblique sont deux éléments qui envoient le succès et la réussite, s'il vous plaît, dans la vie de celui qui a donné sa vie à Jésus. Et nous voyons ça clairement en Jésus 1, verset 8. Que ce livre de la loi, c'est-à-dire que la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut l'étudier la nuit et le jour. C'est alors que tu réussiras. Que tu auras d'abord du succès. Et que tu réussiras dans tes entreprises. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Donc, vous voyez, quand vous acceptez d'être abattu spirituellement, c'est que vous avez laissé le diable atteindre votre foi. Non, non, ayez toujours le bouclier de la foi. Parce que sans foi, vous allez aller à l'église, mais c'est zéro. Vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus. Tout ce qu'on dit, ça glisse sur votre corps. Ne laissez pas le diable atteindre votre foi avec ses mensonges. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes de Dieu. La vie de Dieu coule en vous. Elle est en vous. Jésus n'est pas ailleurs. C'est dans votre vie qu'il est, dans votre corps qu'il est, dans votre cœur que Jésus est. Voyez-vous, la vie de Dieu coule en vous, coule au travers de vous. Vous lui appartenez. Son corps est votre temple. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Dieu est devenu votre père. Quelle que soit votre situation, même si vos parents vous ont rejeté, même si vous avez perdu votre travail, que votre patron vous a rejeté, même si votre société, l'entreprise a fermé, même si vous avez perdu vos parents, que vous êtes devenu orphelin, Dieu veut te relever en ces instants. Reçois sa parole comme une révélation, une prophétie qui vient et qui veut apporter de nouvelles choses dans ta vie. Dieu a des promesses pour toi. Dieu veut changer ta situation. Ne te laisse pas abattre. Deux choses. La prière et le jeûne. C'est un. Il faut persévérer dedans pour maintenir ta connexion avec Dieu, parce que c'est par la prière qu'on maintient notre connexion, notre relation, notre communion avec Dieu, que nous recevons de Dieu. Et puis le deuxième élément, la méditation de la parole de Dieu. Vous avez besoin de nourrir votre âme.
De nourrir votre âme comme vous nourrissez votre corps physique, votre esprit a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Dans ces temps si difficiles, non, vous n'êtes pas défait. Vous n'êtes pas un échec. C'est une situation, mais elle va passer. Comptez sur le Seigneur. Des choses nouvelles arrivent. Si vous comptez sur le Seigneur, dans ces temps difficiles où tout le monde abandonne, vous serez debout. Vous serez debout. Vous serez debout. Vous marcherez et vous irez de l'avant. Avec Dieu, vous n'avez pas à avoir peur. Prenez des risques d'aller de l'avant. Prenez les risques de commencer une petite entreprise, de commencer un petit commerce, ne serait-ce qu'avec peu d'argent, vous allez faire des exploits. Jésus dit que si votre foi, elle est semblable à un grain de CDV, un grain de CDV, le CDV en Europe ici, c'est le grain de moutarde. On peut considérer cela à un grain d'arachide. Si votre foi est petite comme un grain d'arachide, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer et elle partira. Vous vivez une situation, c'est une montagne. La situation vous bloque. Vous n'arrivez pas à avancer, c'est une montagne. Mais je prophétise dans le nom de Jésus que vous, au nom du Seigneur, vous pouvez dire à cette montagne-là de se déplacer et de se jeter dans la mer et la montagne se déplacera, le problème se déplacera, la situation se déplacera. La maladie se déplacera, ce qui vous bloque se déplacera dans le nom de Jésus. Mais c'est vous qui devez ordonner cela. En quoi faisant tout simplement? En commençant d'abord à croire à la parole de Dieu. À vous lever, à agir et à obéir à la parole de Dieu en la mettant en action dans votre vie. Mettez donc votre foi en action. Avec cette petite foi, vous ferez des exploits. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons lire Ésaïe 54, le verset 2. Écoutez bien. Élargis l'espace de ta tente. Dieu te demande d'élargir l'espace de ta tente. As-tu une maison? As-tu une petite entreprise? As-tu un petit commerce? C'est bien. Tu as commencé? C'est bien. Mais il faut avoir en pensée que ça doit devenir grand. Ne te contente pas seulement de petit. Ce n'est pas de l'humilité, ça. Ce n'est pas cela, l'humilité. Mais c'est un manque de vision, ça. C'est un manque de vision. C'est un manque de créativité. C'est un manque d'imagination. Le Dieu que nous prions, il est grand. Il est grand. Il est grand. N'ayez pas peur d'opter pour les grandes choses. Parce que dans la réalité, si vous êtes réellement converti, si vous êtes réellement converti, bien-aimé, tout ce que vous allez recevoir sera certifié et vous mettez cela sous l'autel de Dieu. Ça ne va pas vous rendre orgueilleux. Vous pouvez posséder pas mal de choses, beaucoup de richesses. Mais si vous êtes réellement converti, ces richesses ne vont pas vous dominer. Ces richesses ne vont pas vous conduire dans des choses impures, dans des choses souillées, dans des mauvaises choses. Ça ne va pas vous conduire dans l'orgueil. Mais au contraire, ça va vous rendre humble encore et davantage humble. Parce que quand quelqu'un est humble, il sait que tout ce qu'il a ne vient pas de lui. C'est la grâce de Dieu. Ça vous donnera donc de pouvoir aider ceux qui n'ont rien. Ceux qui ont besoin d'aide. Et ici, vous servirez le Seigneur avec l'abondance qu'il vous aura donnée. Et au fur et à mesure que vous donnerez aussi, Dieu, n'est-ce pas, remplacera cela en vous et vous aurez d'abondance en abondance, de bénédiction en bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Disons Amen. Amen. Élargis l'espace de ta tente. C'est toi qui dois élargir l'espace de ta tente. Jésus est mort à la croix. Il a payé le prix. Il a payé complètement le prix. Il a dit tout est accompli pour que toi, en croyant en lui, tu ne sois plus la même personne. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées.
Les choses anciennes sont passées. L'ancienne page qui le faisait souffrir, elle est passée. L'ancienne page qui le maintenait dans la malédiction, dans le malheur et à la même place, elle est passée. Et pour lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Il veut nous donner de nouvelles choses. Alléluia. Tu es donc devenu une nouvelle créature. Tu peux donc être délivré si tu te rends compte que tu as besoin de délivrance et que tu vois la délivrance au nom du Seigneur Jésus. Tu peux maintenant être délivré pour devenir une personne qui va bénéficier, si vous voulez, des nouvelles choses de Dieu, des bénédictions de Dieu. Si tu es malade, tu peux être guéri. Si tu as un problème quelconque, au nom du Seigneur Jésus, tu peux obtenir et la guérison, et la délivrance, et le changement, parce que le salut que nous avons obtenu gratuitement par le pardon de nos péchés, lorsqu'on a de notre vie à Jésus, ce salut-là, il est accompagné des bénéfices de ce salut, c'est la délivrance. C'est la délivrance des malédictions, c'est la délivrance de pas mal de situations, d'oppression, de tourments maléfiques, c'est la guérison divine aussi. Mais maintenant que tu es devenu chrétien, il ne reste pas comme ça. Il faut la demander à Dieu. Il faut aller vers un évangéliste, un prophète, un pasteur. Et lorsqu'il priera pour toi, et parce que maintenant tu as donné ta vie à Jésus et que tu as obtenu le pardon de tes péchés, tu es sauvé, alors tu peux obtenir la délivrance et la guérison dans le nom de Jésus. Mais il faut s'élever pour ça. Il faut s'élever, il faut avancer dans la vie. Il faut prendre le risque d'aller vers, dans les camps de prière, même quand c'est loin. Quand je dis le risque, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple à 500 km, à 1000 km, mais écoutez, ça va vous demander un déplacement, ça va vous demander de l'argent, mais évidemment, ne vous laissez pas stopper, abattre, parce que je n'ai rien, parce que mais si vous avez envie, si vous avez le vouloir, Dieu vous donnera le pouvoir. C'est le vouloir qui engendre le pouvoir. Mais si vous ne voulez pas changer de vie, réussir, avancer dans la vie, si vous ne voulez pas vous lever, eh bien rien ne sera fait. Mais rien ne sera fait, s'il vous plaît. Rien ne sera fait. Donc il y a une force en vous, cette volonté-là. Faites-la agir. La volonté, pas pour faire le mal, mais la volonté pour faire le bien. La volonté pour réussir pour vous-même, là. Pour réussir. Et puis vos enfants aussi, ils vont réussir. Votre femme va réussir. Écoutez, elle n'est pas ailleurs, mais elle est en vous. Elle est en vous. On dit Amen. On dit Amen. Voyez-vous? Vous n'êtes donc pas un échec. C'est parce que vous avez échoué aujourd'hui que c'est fini, vous êtes un échec. Non. Non. Seulement, ne faites pas des erreurs pour accumuler des échecs. Vous avez fait un échec, alors changez. Vous ne pouvez pas faire la même erreur qui vous a conduit dans l'échec. Et vous évoluez au fur et à mesure. Tous ceux qui, évidemment, ont réussi aujourd'hui, dont on parle, mais c'est des gens qui ont fait des erreurs, qui les ont conduits dans les échecs. Mais ils ont appris. Ils ont appris la leçon. Ils ont appris les leçons. Ça a été des enseignements pour eux. Et quand ils ont recommencé, mais ils n'ont plus fait les mêmes choses. Pierre, Jacques et Jean, c'est parce qu'ils étaient au même endroit. Quand vous êtes au même endroit, mais rien. Vous prêchez toujours à 400 personnes, 500 personnes. Il n'y a plus de prodiges, il n'y a plus de miracles. Parce que vous êtes au même endroit. Pour rire un peu, les démons qui sont dans les personnes vous connaissent. Ils savent comment vous commencez votre culte, comment vous le terminez. Ils le savent. Ils vous connaissent, ils vous ont étudié. Voyez-vous? Donc, le but de Dieu est qu'il y ait une croissance. Ne vous contentez pas que d'une seule église. Allez évangéliser, vous allez voir des miracles, des prodiges dans votre ministère. Par exemple, c'est un exemple. Savez-vous? Faites un autre commerce. Agrandissez votre commerce. Élargissez l'attente. Si dans celui-là, des bénéfices ne sont plus, mais optez pour autre chose. Vous n'abandonnez pas, mais vous optez pour un autre commerce, d'autres affaires. Optez pour de nouvelles choses. Et souvent, vous voyez des nouveaux bénéfices dans votre vie. Alléluia. Ne vous découragez donc pas. Élargis l'espace de ta tente qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Écoutez, ne retiens pas. Tu as un potentiel. Ne retiens pas ce potentiel en toi. Les qualités que tu as en toi là. Ne les retiens pas en toi. Laisse-les exploser. On dit Amen.
Laisse-les exploser. Laisse-les éclore. Laisse-les éclore. Laisse-les éclore. Et la gloire de Dieu te fera briller. La gloire de Dieu viendra sur toi. Et la gloire de Dieu te fera briller. On dit Amen. On dit Amen. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche, ta postérité envahira les nations. Tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche, c'est le désir de Dieu. Que tu réussisses à droite, que tu réussisses à gauche. Mais il faut avancer. Tu reçois la parole pour que tu puisses te lever et avancer. Dans les bonnes choses, je dis bien. Dans les bonnes choses, pas dans les mauvaises choses. On dit Amen. Alléluia. Mais tu dois vouloir le changement. Tu dois vouloir. Le texte que nous venons de lire, Ésaïe 54, verset 2, jusqu'au verset 4. Bien-aimé, c'est toi. C'est toi qui dois élargir l'espace de ta tente. Dieu te donne sa parole, il te donne des révélations, il te donne des prophéties, il te donne la prédication, l'enseignement. Pourquoi? C'est pour que tu puisses mettre cela en pratique et changer ta manière de vivre. Et changer tes échecs en succès et en réussite. Je prophétise que cette montagne, elle va se déplacer. La montagne qui te bloque, elle va se déplacer. Elle va se déplacer. Si seulement tu as une petite foi, comme un grain de moutarde, un grain de s'élever, je veux dire, comme un grain d'arachide, il en sera fait selon ta foi. Bien-aimé, aussi longtemps que les choses seront les mêmes et que rien de nouveau n'apparaîtra dans ta vie, les choses seront monotones aussi. Monotones. Rien ne bougera. Ton présent sera sombre. Ton avenir sera incertain. Tu n'auras que de confusion en confusion. Tu tourneras en rond autour de toi. Comme un tourbillon. Tu seras dans un tourbillon. Mais il faut que tu te lèves pour traverser cette étape du tourbillon. Passe au travers du tourbillon. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et avance. Mais si tu ne te lèves pas, alors... Si tu ne fais pas attention, tu risques de devenir un échec. Plus grave, je voulais dire. Si au bout de 5 ans, de 10 ans d'activité professionnelle, tu travailles, tu transpires, tu soulèves des sacs de cacao au port, c'est un travail que Dieu te donne. Tu transpires, la sueur. Tu es dans un grand bureau de directeur. C'est du travail que tu fais. Mais si au bout de 5 ans ou bien 10 ans, tu n'as pas évolué, tu n'as pas avancé, tu n'as pas reçu de promotion, tu n'as pas construit une seule brique, quand je dis une seule brique, tu n'as pas construit une maison, ni dans ton village, ni dans la ville où tu travailles, tu n'as pas réalisé une seule chose, et que tu te contentes uniquement que de ton salaire, ça veut dire que ton destin est attaqué. Ou bien ça veut dire que tu n'as pas encore compris beaucoup de choses. Mais l'Esprit du Seigneur m'envoie vers toi de façon spéciale pour que tu puisses comprendre certaines choses. Que tu n'es pas mauvais. Il y a des qualités en toi. Que tu n'as pas que des mauvaises choses. Donc, fait de bonnes et de mauvaises choses. Mais ne laisse pas les mauvaises choses prendre le dessus sur les bonnes. Tu as des qualités en toi, du potentiel en toi, entre en toi-même, et puisse au fond de toi-même, puisse au fond de toi-même, faire ressortir le bon, le bien qui est en toi, faire ressortir l'autre niveau qui peut te projeter dans une grande prospérité, dans un grand niveau, en toi, c'est en toi, c'est en toi, tu as des bonnes choses en toi, alléluia, tu as des bonnes choses en toi, c'est pas normal. Bien-aimé, que tu travailles sans avoir une petite réalisation. Mais entre nous, penses-tu que le salaire de 500 000, le salaire de 800 000 francs que tu reçois chaque fin du mois est suffisant? Si vous avez, par exemple, 20 personnes dans la famille ou bien 10 personnes, et que toi seul, c'est toi seul qui travailles, mais en tout, il y a toujours 20 pauvres. En tout, il y a toujours 10 pauvres.
Parce que toi seul qui travailles, tout le monde, voyez-vous, viendra chez toi. Tu dois t'occuper de tout le monde. Tout le monde vivra, voyez-vous, par rapport à ton salaire. Donc ça ne va pas suffire. Tu dois nourrir tes propres enfants, ta femme et toute ta famille. Ça ne suffira pas. À cause de cela, crée des emplois. Aie un esprit créatif. C'est-à-dire quoi? Donne de l'argent à ton épouse pour qu'elle commence un commerce, une activité. Et toi-même, entreprends quelque chose. En plus de ton salaire et de ce que tu entreprends à gauche et à droite, tu te répandras à gauche et à droite. C'est cela, avancer. C'est ce qu'on appelle avancer. Lève-toi et avance. Ne reste pas toujours dans le même salaire. Dans le même salaire, pendant que tu travailles, tu peux avoir d'autres activités parallèles, des affaires, le commerce, des réalisations qui peut faire de toi quelqu'un qui a en abondance et qui peut prendre soin des autres aussi. Il ne faut pas que ce soit toujours toi qui tende la main. C'est à toi qu'on doit toujours donner. C'est à toi toujours qu'on doit donner. C'est à toi qu'on doit toujours donner. Non, non, non. Lève-toi. Quand tu vas à l'église, tu ne regardes pas le Seigneur. Tu regardes ce qui est dans ses mains. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Tu es là que pour les bénédictions, le mariage. Tu es là que pour le travail. Tu es là que pour le voyage. Non, dépasse ces niveaux. Il faut dépasser ces niveaux. Atteins un véritable niveau spirituel. Sois connecté à Dieu. Sois dans la dimension de Dieu. Alléluia. Sois avec Dieu pleinement, spirituellement. Appartiens à Dieu. Et vous savez, c'est le spirituel qui commande le physique, le matériel et les finances et tout ce que nous voyons. C'est spirituellement, tu es riche. C'est spirituellement, tu es riche. Si tu es si spirituellement, tu es riche, ta richesse spirituelle va engendrer la richesse matérielle, la richesse physique, c'est-à-dire la bonne santé et la richesse financière. Alors, ne va pas à l'église que pour les bénédictions. Quand bien même les bénédictions sont bonnes, mais d'abord, avance spirituellement avec le Seigneur. Avance spirituellement avec le Seigneur. Cherche à connaître le Seigneur profondément. Avance dans l'eau profonde spirituelle. Avance dans l'eau profonde spirituelle. Cherche à connaître le Seigneur. Avance profondément dans la prière, dans le jeûne. Avance profondément dans la méditation de la parole. Avance profondément dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. L'amour pour Dieu. L'amour pour les frères, les soeurs en Christ. L'amour pour le pasteur. L'amour pour les fidèles. Ça ne doit pas être limité. Il faut avancer en eau profonde en tout. Alléluia, tu dois avancer en tout. Alléluia. Il est donc important de désirer. De désirer avancer. D'autre part, il est important de savoir, bien aimé, que selon Jean 3, verset 2, le souhait de Dieu est que tu prospères à tous égards. Voyez-vous, le souhait de Dieu est que tu prospères à tous égards. Mais comme prospère l'état de ton âme, l'état de ton âme, c'est-à-dire comme ton âme prospère spirituellement. Amen. Tu dois donc désirer bouger. Tu dois avoir le désir en toi, l'envie en toi. Tu dois avoir le vouloir en toi, la volonté en toi de bouger. De bouger. Réveille-toi. Bouge. Tu dois avoir l'envie en toi, le désir en toi de changer, d'avancer. À partir de ce moment-là, les choses changeront dans ta vie. Les choses changeront dans ton travail. Dans ton foyer, les choses changeront. Alléluia. Tu dois désirer des bonnes choses pour ta femme. Tu dois désirer des bonnes choses pour ton mari. Tu dois désirer des bonnes choses pour tes enfants. Ne reste pas dans les anciennes choses, dans les vieilleries. Il faut opter pour les nouvelles choses. Et elles viendront dans ta vie. Tu dois désirer avoir une voiture. Tu dois désirer avoir maintenant une villa. Tu dois désirer avoir un grand commerce. Tu dois désirer avoir une entreprise. Tu dois désirer avoir un autre commerce. Tu dois désirer avoir une autre entreprise, une plantation. Tu dois désirer avoir des nouvelles choses. Si tu es toujours au même endroit, en train de rencontrer la même histoire, tu racontes que la même histoire, le même témoignage, c'est que tu es devenu un symbole de rétrogradation. C'est que tu es en train de rétrograder. C'est toujours le même témoignage, la même histoire. Mes parents étaient comme ci, mes parents étaient riches,
Moi-même, j'étais comme ça. J'étais. Mais le présent. Mais le présent. Et l'avenir, où tu le mets? Je t'invite à tourner la page. 2020 est difficile. Ça a commencé difficilement. C'est vrai. Mais ne regarde pas. Ne vois pas comme tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Donne-toi de l'espoir et de l'espérance. Que cette parole vienne pour te fortifier. Que cette parole te fortifie. Que cette parole t'aide. Cette parole t'aide à te lever pour faire bouger les choses. Et Dieu t'accompagnera. Et Dieu t'aidera. Et Dieu permettra que, oui, tu le rencontres. Et si tu rencontres l'Éternel, une onction descendra sur toi. Cette onction de gloire permettra que tu puisses briller. Lève-toi et brille. Lève-toi, avance. Lève-toi, avance. Lève-toi et brille. Au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur, dans sa grâce, bénisse sa parole dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous aurons l'occasion d'être ensemble encore et on vous en informera. Restez toujours à l'écoute. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.